En tant que membre du comité consultatif technique, nous avons comme mission de regarder un peu les programmes de l'IDEP et voir dans quelle mesure l'IDEP peut améliorer l'offre de formation aux fonctionnaires africains. À ce niveau, je pense que l'IDEP est un institut qui est incontournable en matière de formation des fonctionnaires, et pendant très longtemps, l'IDEP s'est positionné en leader, je dirais, dans la formation des fonctionnaires sur les questions de développement économique et sur la formulation de propositions concrètes pour aider les différents États membres, les différentes économies africaines à se développer et aller de l'avant. Aujourd'hui, il y a de nouvelles problématiques qui apparaissent. Les économies sont en mutation dans le monde, mais surtout sur le continent africain. Et l'IDEP doit profiter de ce momentum pour se positionner comme l'institut qui va offrir des opportunités de formation des fonctionnaires sur ces nouvelles mutations qui concernent directement les questions de développement. Alors pour justement tirer un maximum de profit de ce que pourrait faire l'IDEP pour améliorer son offre de formation, étant donné les mutations que connaissent les différentes économies africaines au regard des exigences des agendas 2030, 2063, nous avons proposé avec l'équipe de l'IDEP d'organiser cette retraite pour réaliser une sorte de brainstorming, je dirais, et pour que chacun puisse discuter des opportunités de faire évoluer l'offre de l'IDEP. Donc c'est une retraite qui a duré 2 jours, hier et aujourd'hui, et c'était vraiment très intéressant de voir à quel point les échanges que nous avons eus étaient riches d'idées intéressantes, de propositions pour améliorer ou faire évoluer l'offre existante d'une part, mais également l'enrichir de nouvelles thématiques, de nouveaux modules, de manière à réellement saisir ces mutations et réellement saisir ces changements dans la réflexion, dans l'approche des questions de développement en Afrique. Cette retraite de 2 jours a été vraiment enrichissante sur le plan des idées échangées, mais c'est une retraite qui a aussi permis de resserrer les rangs au sein de l'IDEP, aussi bien au sein de l'équipe que entre l'équipe et les membres du comité consultatif technique, de créer des synergies. Il y a en plus des membres du comité et de l'équipe IDEP, il y a eu des invités parmi les personnes ressources qui travaillent avec l'IDEP comme formateurs, mais également des représentants d'autres institutions, mais surtout la CEA. Je pense que c'est un événement qui a permis réellement de créer une relation et des synergies entre les différents participants à cette retraite. Donc j'ai vraiment apprécié. D'autant plus que cette retraite a été vraiment très très bien modérée. On a eu un facilitateur qui a considérablement aidé à produire et à exprimer nos idées comme il le fallait. Donc vraiment, c'était hyper intéressant d'être là.